fais pas confiance. Lui, peut-être, mais moi, pas. D'accord. Peu importe que mon ami vous fasse confiance, Spartan Locke. C'est ma confiance que vous devez gagner. Arbiter. Vous êtes un chasseur, c'est ça. Un spécialiste de la traque. Ce n'est pas mon titre officiel, mais ça s'en rapproche. Et vous chassez d'autres Spartans? Ce n'est pas les Spartans que je chasse, c'est plutôt le Spartan. Vous cherchez... 117. L'identité de votre proie m'avait été cachée. C'est pour cela que je vous la révèle. Vous parliez de confiance, après tout. Puis-je vous poser une question? Vos hommes l'appelaient démon. Est-ce que c'était une insulte ou un compliment? Une insulte, c'est certain. Mais avec une touche de respect. Il a été mon ennemi. Et un jour, il est devenu mon allié. Puis un ami. Les événements qui ont donné naissance à ce lien sont compliqués. Avec un seul vaisseau. Un seul? Vous êtes sûr? Oui. Il s'agissait du Pillar of Autumn. Expliquez-nous donc comment il a pu vous échapper! Notre objectif principal était la planète. Mais j'ai lancé tous mes vaisseaux à sa poursuite. Lorsque vous avez vu Halo, Sa Majesté vous a-t-elle aveuglé? Aveuglé? Aveuglé. Paralysé. Non. Et pourtant, des humains ont pu s'échapper, atteindre l'anneau sacré, et le souiller de leur présence impure. Noble hiérarque, comprenez que lorsque le parasite a attaqué... Un peu de silence dans ce conseil! Vous avez eu raison de vous occuper du parasite, mais ce démon, ce major... Lorsque j'ai compris ce qu'il comptait faire, il était déjà trop tard. Noble prophète de la vérité, il suffit. Le châtiment de ce misérable doit être exemplaire. Le conseil l'exige. Vous êtes l'un de nos instruments les plus précieux. Vous avez mené cette flotte avec honneur et courage. Mais votre incapacité à protéger à l'eau nous a conduit au désastre. Non, c'était de l'hérésie. Je continuerai à me battre contre les humains. Non, sûrement pas. Bientôt le grand voyage commencera. Le poids de votre échec sera trop lourd pour emprunter la voie. Et vous ne serez pas des nôtres. Vêtements à les lâcher. Regardez comme cette couche est poreuse. Bloc optique, grillé. Je parle même pas du bloc d'alimentation. Vous savez combien ça coûte ce matos, fiston? Allez dire ça au Covenant. Vous m'aviez promis qu'il n'y aurait pas de caméra. Et on avait dit que vous seriez présentable, je crois. Les gens ont besoin de héros et d'espoir, Major. Un grand sourire, d'accord? Tant qu'il nous reste encore des dents. Ah!
juste venu pour vous. Si c'est pour me voir ramper, ils vont être déçus. Vous croyez ? Messieurs, nous sommes heureux de vous revoir. Allez-y, Cortana. Un autre signal, près de Yo. Des sondes ont été dépêchées. Désolé, mais il va falloir que nous abrégions un peu. Vous n'êtes pas mal. Merci. Sergent, Major, la Croix des Colonies vous a été décernée pour vos actes héroïques. Pour un soldat de l'UESC... C'est la pire des hérésies. Faisons un exemple pour tous ceux qui brisent notre alliance. Commandant Miranda Case, les actes de votre père étaient dans la droite ligne de la plus grande tradition militaire. Sa détermination dans un combat perdu d'avance l'honore, lui et l'ensemble du corps de l'UNSC. La marine a perdu un grand commandant. Spatio-temporelle, près du réseau de défense. Faites voir. 15 vaisseaux amiraux. Ils stationnent hors de portée de notre armement. Ici l'amiral Harper. Envoyez toutes nos forces sur l'ennemi. Négatif. Formez un périmètre de protection autour du réseau de défense. Commandant, à votre vaisseau. Rejoignez la flotte. Bien, monsieur. Cortana, dès qu'ils sont à portée du canon à accélération magnétique, tirez. Entendu. Ça ne colle pas. La flotte qui a détruit Reach était 50 fois plus importante. Monsieur, d'autres contacts. Ce sont des vaisseaux d'abordage. Ils veulent détruire nos canons à accélération magnétique pour que leurs vaisseaux amiraux puissent atteindre la Terre. Major, vous défendez la station. Compris. Il me faut une arme. C'est par ici. Intégrez-moi à votre armure, vite! Combien de temps? Vous préférez ne pas le savoir. Le Caire, ici le Inamberclad. Le bouclier du destroyer est HS. Nous nous préparons à l'attaque. Négatif, commandant. Pas seul contre un vaisseau de cette taille. Monsieur, permission de quitter la station. Qu'avez-vous en tête, Major? Refilez leur bombe au Covenant. Permission accordée. Je sais à quoi vous pensez. C'est de la folie. Alors, restez ici. Mais malheureusement pour nous, je suis un peu folle. Question. Si vous échouez... Impossible. Thank you.
vole pas trop mal. Major, à l'intérieur, vite. La suite va se passer sur Terre. Je capte juste un message. Regret, regret, regret. Sympa. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Chers humains, nous regrettons d'être aussi débiles. Nous regrettons d'être venus. Et nous regrettons encore plus de nous être fait ramasser par les Marines. Ouais ! Regret est un nom, sergent. C'est celui d'un des grands prêtres Covenant, un prophète. Il est sur ce cargo et il demande de l'aide. Danger, sur secteur 2003. Recommandons arrêt mission. Ok, éclaireur. Comme vous voulez, sergent. On y va. Marines, soyez prêts. Major, allez sur ce cargo et capturez-moi ce prophète du regret. Les Covenants ont décidé d'atterrir à cet endroit précis. Ce prophète va nous expliquer pourquoi. Wow. Du calibre 50, rien pu faire. Où est le reste de ta section ? Morte, sergent. Et on va les rejoindre, monsieur, si on traîne encore dans le coin. Tu es touché ? Non, sergent. Alors écoute. Quand je me suis engagé, on n'avait pas de char comme ça. On avait des flingues. Et encore, pas pour toute la section. Je parle même pas des grenades et des boucliers. En avant, mon gars. Tu sais que t'as de la veine. Et le scarab ? On a fait quelques simulations. Ils sont solides, mais on peut les avoir. Ne lâche pas le major. Il saura quoi faire. À vos ordres, sergent. Merci pour le tank. Lui ne m'offre jamais rien. Eh, je sais parler aux dames, moi. Sortez le Major et retournez à l'île Numberclad. Bien compris. Alors ? Monsieur, le prophète se barre. Demande permission d'attaquer. Négatif, commandant. Deux intercepteurs l'attendent hors atmosphère. Rupture spatio-temporelle repérée devant la cible. Il va sauter ! En pleine ville ! Ne perdons pas de temps. Autorisation accordée. Attaquez. À fond ! Sur eux, vite ! Mais commandant, sans destination ? Ne me perdez pas ce vaisseau ! Juste comme je l'aime. Taisez-vous. J'ai l'impression d'entendre des grognards. On ne le met pas en prison. Les hiérarques lui réservent une surprise. Thank you.
l'acte de la vérité et de la pitié. Voici l'incapable. Tu peux disposer, Tartarus. Mais je pensais... Emmène tes brutes avec toi. Relâchez le prisonnier. Le Conseil a décidé de te pendre par les entrailles et d'exposer ta dépouille. Mais c'est à moi que revient l'honneur de décider du mode d'exécution. Je suis déjà mort. Et effectivement. Sais-tu où nous sommes ? Le mausolée de l'Arbiteur. C'est cela. C'est ici que repose l'avant-garde du Grand Voyage. Chaque Arbiteur, du premier au dernier, chacun né et consumé lors de crises extrêmes. La soumission des chasseurs, la révolte des grognards. Sans les Arbiteurs, l'Alliance aurait déjà volé en éclats. Même en rampant, je ne suis pas digne d'être ici. La destruction de Halo était une faute et tu en es responsable. Mais le Conseil a fait du zèle. Nous savons que tu n'es pas un hérétique. Voici le véritable visage de l'hérétique. Celui qui incite à la rébellion contre le Grand Conseil. Nos prophètes mentent. Ouvrez les yeux, mes frères. Ils se servent de la foi des anciens pour nous mener au chaos. Le Grand Voyage est une trompe. Cet hérétique et ses disciples doivent être réduits au silence. Ces mensonges offensent tous ceux qui suivent la voie. Que puis-je faire ? Je ne peux plus commander de vaisseaux. Ni de soldats. Ainsi, non. Mais en devenant l'Arbiteur, et tu auras notre bénédiction pour réduire cette hérésie à néant. Et pour le Conseil ? Il y a peu de chances que tu survives aux missions que nous te confierons. Tu mourras, comme tous les autres Arbiteurs avant toi. Et le Conseil aura ton corps. Qu'attendez-vous de l'Arbiteur exactement ? En rejoignant l'Alliance, nous avons prêté serment. Conformément à notre rang, tous sans exception. Sur le sang de nos pères, sur le sang de nos fils, nous avons juré de soutenir l'Alliance. Même si nous devons mourir. Ceux qui renient ce serment sont des hérétiques. Ils ne méritent ni pitié, ni clémence. Ils utilisent les créations de nos seigneurs pour diffuser leurs mensonges. Nous en ferons de la poussière. Et nous continuerons notre marche vers le salut. Cette armure est parfaite, mais on voit encore cette marque. Rien ne peut l'effacer. Vous êtes l'Arbiteur, le bras armé des prophètes. Et ce sont mes élites. Leur vie n'importe pas la vôtre. Nous sommes d'accord. Chef, pas de doute. La tempête frappera les installations. Nous serons partis avant qu'elle soit sur nous. Cette puanteur, je la connais bien. Cet abri me protégera de la tempête, et tu seras entièrement rongé. Arbiteur,
Où est-il? C'est un pis, c'est retranché là-dedans. On ne pourra jamais y pénétrer. Nous devons donc le faire sortir. Comment? Ce câble. Je vais le couper. Que tout le monde retourne au vaisseau! Ces mensonges. L'oracle. Bonjour, je suis 343 Curtis Park. Je gère l'installation 04. Demande à l'oracle ce qu'il sait sur Halo. Il nous sacrifierait pour rien. Des questions? Génial! Heureux de pouvoir vous aider. Les élites ne voient rien, Arbiter. Alors, je leur ouvrirai les cieux. Quel dommage! C'était vraiment un très bon élève. Je n'avais pas le choix, Saint Oracle. Il mettait le grand voyage en danger. Oracle, grand voyage. Pourquoi utilisez-vous tous ces mots qui ne veulent rien dire? C'est l'oracle. Le voilà. Venez, nous quittons ce système. Nous dérivons. Les nacelles sont HS. Je dois redémarrer tout le système. D'accord. Et voyez où nous sommes. C'était un peu brusque. Désolé. Est-ce que tout va bien? Bien sûr. Major? Pas de problème. Commandant, on a repéré quelque chose. Regardez. Cortana, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est un autre halo. De quoi? C'est donc ça que mon père avait trouvé? Je croyais que Halo était une arme gigantesque. C'est le cas. S'il est activé, il peut rayer des galaxies entières de la carte. Je veux toutes les informations que vous avez sur le premier Halo. Plan. Installation. Tout. Et je me fiche de savoir si j'ai les autorisations ou pas. À vos ordres. Où est notre cible? Le vaisseau ennemi stationne au-dessus de l'anneau. Nous allons passer juste au-dessus. Parfait. Étant donné ce qu'on sait sur cet anneau, nous devons absolument capturer le prophète du regret pour apprendre pourquoi il est venu sur Terre, puis ici. Major, après la première section, on vous l'a. Sécurisez la zone. Sergent, préparez deux pélicans et suivez-les de près. À vos ordres. En attendant de pouvoir me battre, je reste en retrait. Hors du vaisseau, vous devrez vous débrouiller seul. Entendu. Contact, cible, dans 5. Accrochez-vous bien. Secouer.
que plus de bruit n'est pas possible. Quoique. Attendez, en arrière. Je me doutais de ce qu'il dirait. Le prophète du regret compte utiliser Halo. Vous êtes sûr? Le cercle sacré va s'embraser. Sa flamme purificatrice nous indiquera la voie vers l'au-delà. Aucun doute. Commandant, on a un problème. J'ai entendu. De ce que j'ai compris, le prophète a besoin d'un objet, l'index, pour activer l'anneau. J'ai repéré une bibliothèque semblable à celle du premier Halo. Si l'anneau fonctionne de la même manière, l'index devrait s'y trouver. J'imagine que les Covenants ont la même idée que nous. C'est pour ça qu'on doit être plus rapide, sergent. Regroupez vos hommes et retrouvez-moi à la bibliothèque. Bien compris. Je m'occupe de l'index, Major. Occupez-vous du prophète. Il nous a déjà dit tout ce qu'il savait. C'est la plus grande flotte Covenant que je n'ai jamais vue. Personne n'en a jamais vu de plus grande. Allez dans le temple et tuez le prophète du regret avant qu'il ne nous arrête. Appelez les fantômes. Remettez-vous en cause ma décision? Non, Tressin. Je tiens seulement à exprimer mon inquiétude. J'admets que cette décision était brutale. Mais les derniers événements ont démontré que les élites ne pouvaient plus garantir notre sécurité. Je ferai connaître votre décision au Conseil. La politique, quelle plaie. Arbiteur, sais-tu que les élites ont menacé de partir? De quitter le Grand Conseil à cause de ce petit changement de fonction? Nous vous avons toujours protégé. Ce sont des moments difficiles pour nous tous. L'élimination des humains était certes satisfaisante, mais la perte de l'un des anneaux sacrés nous a déchiré le cœur. Passant outre notre douleur, nous avons continué à croire que nous trouverions les autres anneaux. Et voici comment notre foi est récompensée. Halo, son vent divin balayera les étoiles et guidera tous les vrais fidèles sur la voie du salut. Mais comment déclencher ce processus? Longtemps nous avons cherché celui qui pourrait nous révéler le secret des anneaux. L'oracle. Avec votre aide, nous l'avons trouvé. Avec toute l'humilité qu'on lui doit, nous avons posé à l'oracle des questions, et celui-ci nous a montré la clé. Vous vous rendrez sur l'anneau pour y récupérer l'icône sacrée. Avec, nous accomplirons notre destin. Le salut de tous. Et le début du grand voyage. Une fois le bouclier désactivé, nous nous dirigeons vers la bibliothèque. Je ne veux pas faire attendre les hiérarques.
Cet humain qui a tué le prophète du regret. Qui est-il? À votre avis, le démon est ici? Pourquoi? On veut peut-être se venger. Je n'ai qu'un objectif, récupérer l'icône. Bien sûr. Centre de cette zone. Il nous la faut pour le grand voyage. Nous allons nous frayer un chemin à travers cette vermine. Récupérer l'icône et brûler la pourriture qui se dressera sur notre chemin. Je n'aime pas trop chatouiller ce parasite. J'espère que vous savez ce que vous faites. Humains, ils doivent chercher l'icône. Allez-y, Arbiter. Je m'occupe de ces vermines. Jamais demandé d'aide non plus. L'index est en sécurité. Akeji, Perez, amenez notre taxi. Marines, répondez. C'est pas bon du tout. Seront ravis. L'icône est sous ma responsabilité. Était sous votre responsabilité. Allez, donnez-la-moi. Une fin sanglante vous attend, toi et ta race d'incapables. Et c'est moi, Tartarus, chef Krut, qui me chargerai de vous. Lorsque les prophètes l'apprendront, vous serez exécuté. Quand ils apprendront... Ce sont eux qui m'en ont donné l'ordre. Qu'est-ce que c'est que ça? Je viens puni.
J'aime autant ne pas l'énerver. Démon ! Celui-là est une machine énerve. Et son esprit est décidé. Celui-là n'est que chair et croyance. Et son esprit est confus. Tue-moi ou libère-moi, parasite. Mais arrêtons de parler. Trop de paroles. Et j'ai écouté à travers la roche, le métal et le temps. Maintenant, je vais parler. Et vous allez écouter. Bonjour. Je suis 2401 Pénitent Tangent. Je gère l'installation 05. Et je suis le prophète du regret, grand conseiller hiérarque de l'Alliance. Un dépositaire, ici, enfin. Nous avons tant à faire. Ce complexe doit être activé pour maîtriser cette éruption. Restez où vous êtes. Je dois prononcer mon sermon pour que tout fonctionne. Inexact. Plus de 1,2 milliard de simulations et un tir réel ont été effectués avec succès. Vous pouvez ouvrir le feu quand vous voulez. De tous les objets laissés par nos seigneurs, il n'y a pas plus inutile que les oracles. Ils ne connaissent rien du grand voyage. Et vous ne connaissez rien du confinement. Vous avez fait preuve du plus grand mépris pour les protocoles les plus élémentaires. Ce confinement... ce grand voyage, aucune différence. Vos prophètes ont promis de vous libérer d'une vie infernale, mais vous ne trouverez pas le salut sur cet anneau. Ceux qui ont créé cet endroit savaient ce qu'ils faisaient. Ne vous méprenez pas sur leurs intentions, ou vous périrez comme eux. Cette chose a raison. Halo est une arme. Vos prophètes commettent une monumentale erreur. Ton ignorance a déjà détruit un anneau sacré, démon. Celui-ci ne subira pas le même sort. Va entendre la vérité. Je te la montrerai. Il faut les empêcher d'utiliser la clé. Pour cela, nous devons d'abord la trouver. Tu fouilleras un des emplacements probables, et toi, tu fouilleras l'autre. Le destin a fait de nous des ennemis, mais cet anneau fera de nous des frères. L'arrivée de ce parasite est inattendue et malencontreuse, mais... inutile de céder à la panique. En vérité, nous devons nous réjouir. Tous les Covenants doivent se réjouir, car l'icône sacrée est enfin entre nos mains. Grâce à elle, le chemin s'illumine. Notre passage dans l'au-delà et le grand voyage approche. Et plus rien ne pourra nous arrêter. Bon. Tuez le démon. Séparez-les, un dans chaque fantôme. Tous les espoirs des Covenants reposent sur vous. Maître, je ne faillirai pas à ma tâche. Laissez-le. Le grand voyage n'attend personne, frère. Pas même toi. Ah !
Arbiter, les conseillers, qu'est-ce qui... Assassiné par les brutes. Sauvages. Les prophètes n'auraient pas dû leur faire confiance. C'est un vaisseau Forerunner. Et le prophète se dirige droit dessus. S'il envoie la flotte Covenant sur Terre, nous n'aurons plus aucune chance. Il faut l'en empêcher. Cette brute a l'index, ainsi que Miranda et Johnson. Il peut activer l'anneau. Dans ce cas, je ferai sauter les réacteurs du In Amberclad, comme pour le Pilar. Cela détruira la ville et l'anneau. Pas très original, mais on sait que ça marche. Non. Il faut quelqu'un pour déclencher l'explosion. Je dois rester ici. Sur Terre, bonne chance. Une fois que j'en aurai fini... Ne pas faire de promesses à une femme, si on n'est pas sûr de la tenir. Où sommes-nous ? À l'endroit où les conseillers voulaient assister à la consécration de l'icône, au début du grand voyage. Cette clé ne doit pas être utilisée. Nous devons la trouver. Je dois entrer. Alors allons-y, Arbiter. Je sais comment ouvrir ces portes. Je t'assure que c'est réciproque. Mais si on ne fait rien, cet abruti va activer l'anneau. Et on va tous mourir. Tartarus s'est barricadé dans la salle de contrôle. Ça tombe bien. J'ai justement la clé. Allez, prends un Banshee, couvre-moi. Tu ne comprends pas qu'on arrive. Allez, humaine. C'est simple. Prends l'icône et... Et fais ce qu'on te dit! Un peu de respect! Ne brusquez pas le dépositaire! Encore un mot, oracle! Et je t'arrache ton bel œil tout bleu! Hein? Ce qui n'est rien par rapport à ce que je te réserve. Tartarus, arrête! Impossible! Lâche cette icône! La lâcher? Et désobéir aux hiérarques! Même les hiérarques ne savent pas vraiment ce qu'est Halo. Attention, Arbiter. Ce que tu dis est hérésie. Ah oui. Oracle, quel est l'objectif de Halo ? Simultanément, plus un mot ! Hé ! Il secouait pas l'ampoule. Si tu veux t'en sortir en bon état, tu devrais leur dire de se calmer un peu. Vas-y, tu peux continuer. Que sont les anneaux sacrés, exactement ? Des armes de la dernière chance, construites par les Forerunners pour éliminer les formes de vie pouvant abriter le parasite. Et ceux qui ont créé ces anneaux, qu'est-il arrivé aux Forerunners ? Une fois toutes les autres options épuisées, mes créateurs ont activé les anneaux. Ils ont péri.
ainsi que toute forme de vie dans plusieurs galaxies alentour, comme prévu. Voulez-vous avoir plus de renseignements ? Tartarus, les prophètes nous ont trahis. Non, Arbiter ! Le grand voyage a débuté. Ce sont les brutes et pas les élites qui escorteront le prophète. C'est quoi ? Une balise. Qui fait quoi ? Communication à une vitesse supraluminique d'une fréquence... Communication avec quoi ? Les autres installations. Montrez-moi. Protocole de sécurité. En cas d'extinction intempestive, le système entier passe en phase de veille. Les autres plateformes peuvent être activées à distance. Activées à distance ? D'ici ? Allons, soyez réalistes. Écoute, Clochette, commence pas. Mais d'où alors ? D'où pourrions-nous activer les autres anneaux dans ce cas ? Mais de l'arche, bien sûr. Oracle, où est cette arche ? J'ai repéré un contact. Impossible de l'identifier. Il n'est pas des nôtres. Descendez-le. Ici Spartan 117. Bonsoir, Kaine. Isolez ce signal. Major ? Pourriez-vous me dire ce que vous faites sur ce vaisseau ? Monsieur, je faisais un peu de ménage. Tirez.